Une silhouette qui semble émerger des flammes. Cette habitante fuit le brasier, devenu incontrôlable, secouru in extremis par les pompiers. De part et d'autre de la route, un étau de feu qu'empruntent les résidents sommés d'évacuer en urgence. Alors que les flammes s'approchent dangereusement des maisons. Cette autre localité a été traversée par le feu. Une explosion résonne, les voitures et les maisons se consument. Les pompiers tentent de ralentir la progression du sinistre. Les habitants ont dû fuir pour sauver leur vie. On nous a dit « vous devez partir, et vous devez partir maintenant ». J'ai hésité quand même, car je ne voulais pas abandonner ma maison. Les flammes étaient gigantesques et le vent les faisait tournoyer. J'ai reçu des pommes de pin, des branches et de la terre. Voilà tout ce qu'il reste de cette rue après l'incendie. Vu du ciel, l'épaisse couche de fumée est impressionnante. Elle recouvre une partie de cette région montagneuse qui entoure la deuxième ville du pays. Ici, c'est la remontée mécanique d'une station de ski qui est engloutie par les flammes. Trois incendies différents situés en périphérie et qui ont progressé à grande vitesse en début de semaine en raison d'une vague de chaleur. Jusqu'à 43 degrés et une sécheresse chronique qui ont compliqué le travail des pompiers. On fait attention à ce que le feu ne traverse pas la route. On protège les chalets qui sont juste derrière. L'état d'urgence est maintenu et aucun des brasiers n'est maîtrisé. Mais les conditions météorologiques ont commencé à s'améliorer. Moins de chaleur, moins de vent, plus d'humidité. Un peu de répit en perspective pour cette région régulièrement touchée par ces incendies géants.